sont là cette semaine. Il y a encore du monde qui arrive. Donc, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue ici au Temple Neuf pour cette soirée métaphysique. Et je suis encore plus heureux d'accueillir nos deux invités d'honneur. D'abord, bien sûr, le professeur Müller, accompagné du professeur Lehmkuhl, qui vont, dans un dialogue, dans un échange, nous présenter la tristesse métaphysique, et la tristesse et la métaphysique terrestre, plutôt, sur lequel Denis Müller a donc publié ce petit chef-d'œuvre que je vous recommande, bien sûr, par la librairie Oberlin que vous avez repérée à l'entrée. Carsten va maintenant nous introduire. Merci à toi de nous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être ce soir ici avec vous et notamment avec mon cher collègue et collègue apprécié, le professeur Denis Müller, qui est venu aujourd'hui de Neuchâtel. Il a été pendant 25 ans de sa vie professeur ordinaire d'éthique à la faculté de théologie et des sciences des religions à l'université de Lausanne et aussi à la faculté autonome de théologie protestante de l'université de Genève. Nous deux, nous avons notamment collaboré dans le cadre de l'ATEM, de l'Association des théologiens pour l'étude de la morale, une association que Denis Müller a présidée pendant 6 ans. L'œuvre théologique de Denis Müller est très très riche. Il a publié de nombreux ouvrages couvrant tout d'abord l'ensemble de l'éthique et d'autres champs encore. En éthique, il a travaillé sur l'histoire de l'éthique avec, entre autres, l'ouvrage « L'éthique protestante dans la crise de la modernité, généalogie, critique, reconstruction ». Il a travaillé sur le fondement de l'éthique, ce qu'on appelle aussi l'éthique fondamentale, avec différents ouvrages sur la place de l'éthique théologique au sein de nos sociétés laïques, mais aussi avec des ouvrages de référence, notamment une introduction à l'éthique, publiée avec des collègues, et qui vient d'être réédité chez Laboret Fides. Et pour les étudiants ici, ils le savent, qu'à la faculté de théologie protestante, cet ouvrage figure toujours parmi les ouvrages qu'il faut obligatoirement consulter pour les examens. Et il a publié aussi, j'attire votre attention là-dessus, un dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne avec 2 autres collègues. Mais M. Denis Müller a aussi beaucoup travaillé sur différents thèmes de l'éthique, ce qu'on appelle l'éthique appliquée, par exemple sur l'éthique sexuelle avec des ouvrages sur l'homosexualité, l'éthique de l'animal, l'éthique politique et d'autres sujets encore. Et je ne peux pas ne pas parler d'un ouvrage, tu devines déjà, sur le football. Il a aussi publié un ouvrage, « Le football, ses dieux et ses démons, menaces et atouts d'un jeu déréglé », Laboret Fides 2008. Mais Denis Müller n'a pas seulement écrit en éthique, il a aussi écrit sur d'autres sujets et des personnages importants de l'histoire de la théologie. Je cite tout simplement non seulement ça, thèse de doctorat sur Wolfhard Pannenberg, un grand théologien protestant, mais aussi d'autres ouvrages sur Jean Calvin, sur Karl Barth, voilà pour juste citer ceux-là. Aujourd'hui, Denis Müller nous présentera son dernier ouvrage, paru cette année, avec un titre stimulant, Tristesse et métaphysique terrestre. J'avoue, quand j'ai vu ce titre, j'ai dû tout de suite penser à une remarque du théologien Karl Rahner qui disait une fois que l'être humain est le seul être qui éprouve la douleur de la métaphysique ou de la transcendance. Et pour lui, c'était finalement positif que nous sommes capables d'éprouver une certaine douleur par rapport
à la métaphysique ou à la transcendance. C'est à cela que j'ai dû penser en lisant juste déjà ton titre. Entre-temps, bien sûr, j'ai eu l'ouvrage. Et donc, je suis très heureux de te présenter ici, cher Denis. Donc, la conférence aura comme titre « Le christianisme est-il une religion de la tristesse ?» Point d'interrogation. Je dis tout simplement pour votre planning que M. Müller parlera environ 45 minutes. Et puis, il y aura un échange avec la salle et on terminera vers 8h moins 10, moins le quart aujourd'hui. Et donc, sans tarder, avec grand plaisir, je te donne la parole, Denis. Merci beaucoup, Carsten. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, chers amis. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici une fois de plus à Strasbourg, mais dans cette église que je ne connaissais pas. Je vous remercie d'être là. Je fais une petite correction de ce qu'a dit mon cher collègue Carsten. L'introduction à l'éthique, elle a été éditée par Jean-Daniel Cos et par moi-même. Et j'ai apporté ici le cahier de la revue éthique et théologie religieuse de Montpellier, une dizaine de textes de feu, notre ami Jean-Daniel Cos, à qui nous devons tant. Et puis, parce que nous vivons de l'échange entre les livres, j'ai aussi apporté le chef-d'œuvre de notre ami et collègue Olivier Abel, de l'humiliation. Je vous le recommande vivement, c'est un livre totalement actuel, y compris sur la guerre en Ukraine. Carsten a parlé de mon livre « Tristesse et métaphysique » dont je vais vous entretenir. Ça va bien, merci. J'ai aussi apporté, publicité oblige, mon autobiographie qui s'appelle, de manière humoristique, « La marche en avant de l'écrevisse », mémoire d'un théologien à livre ouvert, le dessin est dû à ma petite-fille Zoé quand elle avait 10 ans, ma femme Annie qui s'y présente m'ayant dit « Tu ne vas pas de nouveau mettre ta photo sur la couverture ». Alors j'ai mis une écrevisse et j'ai mis ma photo plus modestement à l'intérieur. J'y raconte mon cheminement théologique et spirituel, mais aussi mon combat contre le malaise existentiel qui me surprend parfois. Les temps tristes que nous vivons, chers amis, la pandémie, la crise climatique et l'horrible guerre en Ukraine n'inclinent guère à la joie naïve ou candide. La tristesse, c'était la provocation de ma conférence que Patricia Rohner m'a proposée, serait-elle le dernier mot d'un catastrophisme éclairé ? Comme dit, sous forme d'oxymore, le sociologue français Jean-Pierre Dupuis. Comment espérer et aspirer à un monde nouveau ? J'ai essayé modestement, aux éditions Olivetan en 2020, de parler du Covid-19, comme j'en parle aussi dans la tristesse et métaphysique terrestre, quand je débat, j'essaie de comprendre la prédication du père Panelou dans la peste d'Albert Camus. Alors ça c'était le liminaire, c'était pour vous dire que, comme l'ont dit beaucoup de personnes, mon thème c'est la tristesse, c'est-à-dire que la métaphysique on n'y comprend rien. Donc je vais essayer de vous parler de la tristesse, non pas pour vous mettre en tristesse, mais parce que naturellement le thème de la joie est fondamental pour comprendre le message de l'Évangile, mais aussi pour vous expliquer cet autre oxymore bizarre que j'ai créé. Vous savez, un oxymore, c'est Corneille, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Une obscure clarté. Une métaphysique terrestre, n'est-ce pas absurde ? Une métaphysique est forcément céleste, ou absolue, ou totale. Et moi, influencé par le philosophe français Bruno Latour, qui apparemment n'a rien à voir ni avec la théologie, ni avec la métaphysique, a beaucoup parlé de l'importance de la terre. Et il l'a fait aussi dans son livre « Jubilation », qui est le livre d'un homme religieux intéressé par la vie spirituelle. Alors, le christianisme est-il une religion de la tristesse ? Tout semble indiquer, vous en conviendrez facilement avec moi, qu'il n'en est rien. Nous pensons toutes et tous ici présents et autour de nous que d'une certaine manière, Pâques a dépassé Vendredi Saint. Le mystère pascal est toujours le mystère de la résurrection du crucifié. Mais est-ce si simple ? J'ai rédigé des thèses, il y en a 16. Vous ne prendrez pas de notes, mais vous m'écouterez, car les thèses seront distribuées à la fin de la conférence. Donc, faites ce que vous voulez, mais je ne veux pas vous donner le texte pendant que je parle. Je préfère que vous m'écoutiez.
Mais j'ai 16 thèses et de temps en temps, je vais dire troisième thèse. La deuxième question, c'est non, bien sûr que non, ce n'est pas si simple. Le christianisme, religion révélée, comme disent les philosophes, le grand philosophe luthérien allemand Hegel, ou bien mon ami le philosophe français Jean-Marc Ferry, le frère de Luc Ferry. Eh bien, le christianisme, religion révélée, est certes une métaphysique de la vie, comme dit Jean-Marc Ferry, et une métaphysique de la beauté, comme dit le grand philosophe québécois Jean Grondin, dans son livre « La beauté de la métaphysique ». Petite parenthèse, les livres sont toujours incomplets. Manque dans mon livre deux auteurs, trois même, mais surtout deux, Jean Grondin et puis Cynthia Fleury, auteur en 2000 d'une thèse de doctorat intitulée « La métaphysique de l'imagination », où il y a plus de 100 pages sur la tristesse humaine et sur la tristesse divine. Je vous promets que je n'avais pas lu ces pages quand j'ai écrit sur la tristesse. Mais il y a des fois des coïncidences, des synchronicités étonnantes. Je vous signale par ailleurs, je suis un peu dehors de mon texte, volontairement, que la métaphysique fait un succès. Sur Facebook, elle aurait des likes par million actuellement. 2019, Jean Grondin, la beauté catholique, philosophe, élève de Gadamer et de Ricoeur, la beauté de la métaphysique. 2021, Jean-Marc Ferry, métaphysique, dialogue avec les physiciens. Décembre 2021, métaphysique, essai de métaphysique écuménique, 800 pages, par notre ami et collègue orthodoxe, historien, Arjakovski, au Collège des Bernardins à Paris. Donc il y a une sorte de retour étonnant chez les catholiques, chez les protestants, chez les orthodoxes, et même aux surprises chez les protestants. Je vous dirai pourquoi c'est une surprise. J'ajoute que le premier surpris par ce livre, c'est moi-même. Vous savez, les livres, ça s'écrit, personne ne sait très bien comment les livres s'écrivent. Moi, je crois beaucoup à l'écriture automatique des surréalistes. Dans mon éthique protestante dans la crise de la modernité, en 1999, lors de mon sabbatique à Montréal, j'ai mis des paragraphes en italique, inspirés par le philosophe juif Jacques Derrida. Et je les ai mis en italique quand je commençais à avoir l'impression que ce n'était pas moi qui écrivais, mais que ça écrivait en moi. Que tout à coup, le langage, la parole, la poésie surgissent dans notre discours, comme dans la conversation au quotidien. Et sans dire tout de suite que c'est Dieu qui nous inspire ou que c'est une parole de Dieu, de reconnaître au moins que ça parle en nous d'un horizon, d'une origine que nous ne connaissons pas. Et c'est peut-être une des origines à la fois de la métaphysique et de la vocation du théologien qui est toujours la mienne. J'en suis toujours dans mon point 2, mais j'ai fait une improvisation comme toujours. Cette métaphysique est donc terrestre, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire une métaphysique incarnée, passée à l'épreuve du mal, du tragique, je reviendrai sur le tragique, de la souffrance et de la tristesse. La tristesse n'est pas tombée comme ça par hasard dans ma rédaction. Il y a un auteur que je n'ai jamais osé traiter dans mes cours pendant 25 ans d'enseignement, d'éthique, c'est l'éthique de Baruch Spinoza. J'avais un collègue philosophe qui la connaissait bien, mais je n'ai jamais osé me lancer dans cette œuvre immense. Même plus modestement, c'est un penseur juif du XVIIe siècle. Hollandais. J'ai ouvert mon éthique en français, mon éthique, celle de Spinoza, et je suis tombé sur la tristesse et la joie. Et dans mon livre, vous trouverez quelques phrases, je ne suis pas un spécialiste de Spinoza, mais vous trouverez quelques phrases où, d'une certaine manière, c'est le discours spinoziste sur la tristesse, le discours juif et spinoziste sur la tristesse, qui m'a inspiré et qui m'a dit « ça, c'est un thème » oublié ou occulté de notre tradition théologique et éthique. C'était un défi. C'est vous qui direz, en me faisant l'amitié de lire tout ou partie du livre, si le pari est tenu ou bien pas. Mon livre n'est qu'un essai. Ce n'est pas une synthèse définitive. Point 3. Bien entendu, si je reprends un peu le langage de la tribu, c'est-à-dire des protestants et sans doute des catholiques qui sont parmi vous, en tout cas, il y en a au moins une de catholiques, c'est sûr,
Il n'y a pas de théologie de l'espérance sans une théologie de la croix et de la mort de Dieu, comme on disait dans les années 70. L'inspirateur principal ici est le grand théologien réformé allemand Jürgen Moltmann, que j'ai lu dans ma jeunesse, dans mes études de théologie de jeune étudiant. Nous le lisions en allemand avec le professeur Lebas, parce que la traduction de Jean-Pierre Thévenin et de François Thévenin n'existait pas encore. Aujourd'hui, si on fait un cours sur un livre en allemand avec les étudiants, on se fait littéralement fusiller. À l'époque, c'était admis comme normal. Ce n'est pas en Alsace que je vais devoir vous expliquer plus longtemps la question. Moltmann a écrit deux chefs-d'œuvre. Après, c'était moins bon. La plupart des livres sont au début. La plupart des grands livres sont écrits au début par les grands auteurs et après, ils se répètent. C'est un peu une tendance générale. Je suis un peu malicieux quand je dis ça parce que je l'applique aussi à moi-même. Moltmann a écrit deux grands livres. Théologie der Hoffnung, la théologie de l'espérance, et le Dieu crucifié. Avec une immense discussion, est-ce qu'on a le droit de dire en théologie trinitaire et chrétienne que Dieu lui-même a été crucifié sur la croix ? Bien sûr que ce n'est pas exact, ce n'est pas exactement ça, ou c'est une tradition mystique particulière qui nous fait dire que c'est Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou au moins le Père, a été crucifié sur la croix et non pas Jésus de Nazareth. Bien sûr que c'est Jésus de Nazareth, même pas le Christ, Jésus de Nazareth, qui a été crucifié sur la croix et pas Dieu. Mais il y a tout un courant de théologie à la fois de la mort de Dieu et de Dieu crucifié, je n'identifie pas les deux courants, mais ils étaient contemporains, qui existent. Ou pour le dire autrement, avec un autre auteur que Carson m'a fait l'amitié de citer, toute vraie théologie est une théologie du royaume. Je vous renvoie à la traduction que j'ai réalisée avec mon collègue Christophe Chalamet de Genève, de Pannenberg, dont on a parlé, mort en 2014, intitulé « Théologie et royaume de Dieu » que vous trouvez chez Labor et Fides. Ou comme dit un philosophe éminent, Hans-Georg Gadamer, un des plus grands philosophes du XXe siècle, maître avec Paul Ricoeur de Jean Grondin, nous vivons dans l'anticipation de la perfection. Im Vorgriff der Vollkommenheit. C'est chez Gadamer, dans Vérité et Méthode, c'est un très grand auteur. L'ami Jean-Marc Ferry, qui s'intéresse à la religion, qui n'est pas un laïciste français, mais un véritable penseur réflexif, nous dit dans son livre sur les métaphysiques, que j'ai cité tout à l'heure, le sous-titre « Le sens commun au défi du réel », il relève, dit-il, la foi relève, dit-il, de la confiance. Vous savez, chez les latins, la fiducia, qui vient du latin fides, la foi, et la fiducia qui donne le mot fiduciaire en français. La confiance, le Vertrauen, dont Hans Küng a fait le centre de sa théologie réflexive, et non de la connaissance au sens du savoir scientifique ou du Wissen allemand. Selon cet auteur magnifique qu'est Jean-Marc Ferry, mais difficile, plus difficile que son frère, la métaphysique moderne du sujet, pardonnez-moi ces gros mots, la métaphysique moderne du sujet doit céder la place à ce qu'il appelle une ontologie du verbe. Et il écrit « verbe » avec un V majuscule pour signifier la tradition du logos et du prologue de l'évangile de Jean. Nous allons l'entendre à Genève les 15 et 16 juin sur ce sujet et je suis impatient de comprendre exactement ce qu'il veut dire par là. Mais je voulais vous rendre sensible à la manière dont ces discussions ont lieu avec la Libye ou la prétention de traiter des questions métaphysiques. Jean-Marc Ferry avait déjà développé l'idée de la puissance du verbe dans son chef-d'œuvre, salué par Paul Ricoeur, de 1991, qui s'appelle « Les puissances de l'expérience », qui est un chef-d'œuvre absolu. Ceux qui m'ont fait l'amitié de déjà lire une partie de mon livre ou de le consulter, ou qui l'achèteront aujourd'hui, ou qui regardent la couverture, trouvent un titre et un sous-titre. Le sous-titre, qui est plus académique, plus sérieux, plus officiel, s'intitule, plus classique, s'intitule « Existence, raison et transcendance ». Pour paraphraser Jean Grondin, qui parle des piliers de la métaphysique, je dis rétroactivement, puisque je n'ai pas lu Grondin au moment où j'écris, que ma petite métaphysique terrestre à moi, si vous me passez l'expression, la métaphysique terrestre que je propose dans cet ouvrage, repose sur trois piliers.
un peu comme dans cette église. Vous imaginez qu'il y aurait trois piliers ici au centre, éventuellement trinitaires en plus, mais ce n'est pas ce que je dis dans mon livre. Je ne parle pas de trinité dans mon livre et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Il y a trois piliers de la métaphysique, l'existence, la raison et la transcendance. Alors ici, je suis très bref dans le cadre de cette conférence, parce que je vois que j'en suis à 20 minutes, sauf erreur, donc à la moitié de la conférence, et que j'ai une horloge de Neuchâtois dans la tête. L'existence est le premier pilier de la métaphysique terrestre, dans mon ouvrage, dans ma proposition. Mais je rejoins ainsi la proposition de Jean-Marc Ferry, toujours lui, quand il propose de relier l'existence à ce qu'il appelle bellement la disponibilité pour la vie, avec un V majuscule. C'est un philosophe qui abuse des majuscules. Et cette vie, c'est bien sûr, comme ma petite fille dans la marche en avant de l'écrevisse, Zoé, c'est la vie, c'est la Zoé, c'est la vie spirituelle, pour faire court, la vie dont parle le Nouveau Testament, et non pas le bios dont parle la bioéthique, pour faire court. Deuxième pilier, c'est bien les racontatrices qui nous aident. La raison est non moins importante. Trop souvent, et je vais parler ici pour la tribu et le ghetto particulier que certains d'entre nous représentent ici, trop souvent, nous autres protestants, pardon pour les autres si je ne les cite pas, nous avons opposé un double veto à la raison et à la métaphysique, ce dépassement de la physique. Il nous faut au contraire repenser ce que Ferry appelle, dans un autre de ses ouvrages, les lumières de la religion et la circulation vertueuse, pour ainsi dire, de la foi comme confiance et de la religion comme réflexivité. Nous ne sommes pas dans la foi du charbonnier, si simple et si élémentaire que nous soyons chacun dans notre position sociale, nous sommes tous des êtres de raison et de confiance. La raison n'est pas réservée aux intellectuels, elle n'est pas réservée aux philosophes et aux théologiens. Mais le théologien que je suis et le philosophe amateur que je suis ont le devoir de rappeler dans cette société de fake news, on le voit bien dans tout ce qui se passe sur la guerre en Ukraine, mais on l'a aussi vu dans les élections présidentielles françaises, en particulier dans le premier tour, que le mensonge domine la vérité dans nos sociétés et qu'il faut donc lier et non pas opposer la foi comme confiance élémentaire et existentielle et la raison qui est capable de penser la religion de manière intelligente et réflexive. C'est ce que Ferry fait, c'est ce que j'essaye pour ma part, avec mes collègues ici présents, de faire avec lui. Nous n'est plus que seulement les protestants, mais la majorité des gens, nous avons souvent utilisé la notion de transcendance comme l'équivalent de Dieu. Quand on dit transcendance à un laïc, à un athée ou à un agnostique, de nos amis, de nos connaissances, de nos propres enfants, et que nous discutons de ces questions-là, dès que je sors le mot transcendance, je pense que vous avez la même expérience que moi, il revient de nouveau avec son Dieu, qui nous laisse en paix, puis qui s'occupe de l'immanence et pas de la transcendance. La plupart des grands philosophes et grands théologiens du siècle, du 21e siècle et déjà du 20e, Paul Tillich, par exemple, éminent, le théologien allemand exilé aux États-Unis, à la même époque que Karl Barth, le grand Paul Tillich a parlé de l'immanence, la transcendance dans l'immanence. Barth, le jeune Barth, disait dans son commentaire de l'Épître aux Romains, le jenseits, l'au-delà, dans le diesseits, dans l'en-deçà. C'est toujours ça, cette dialectique qui doit être pensée pour rendre compte de la vérité, non seulement de toute religion, mais de la religion chrétienne en particulier. Paul Ricoeur, un de mes maîtres à penser, a beaucoup résisté à cet amalgame. Il s'énervait quand on disait transcendance égale Dieu, et il trouvait que les termes de transcendance et de transcendantal, pardonnez-moi ce gros mot, devaient être réservés à l'interprétation de la philosophie d'Emmanuel Kant et ne pas interférer avec le discours de la théologie. Plus anciennement, le grand philosophe allemand Karl Jaspers, que j'utilise beaucoup dans mon chapitre sur l'existence, parce que j'ai une infinie reconnaissance envers son œuvre. Karl Jaspers, qui était collègue à Bâle de Karl Barth, a parlé de la transcendance comme de l'englobant, das umgreifende, comme il disait en allemand.
Donc, Dieu et la transcendance ne se confondent pas. Par contre, comme le montre Grondin de manière magistrale, il y a un lien profond entre la métaphysique et la transcendance. J'en arrive à ma thèse numéro 8. Vous voyez, j'ai dépassé la moitié, n'est-ce pas ? Ça va ? Je parle sous le contrôle du maître de l'horloge, comme dirait Emmanuel Macron. Telles sont, en style télégraphique, les nouvelles questions qui animent théologiens et philosophes. Une théologienne catholique que je ne connais pas encore, Margrit Wassmeyer-Seiler de Lucerne, de la faculté catholique de théologie de Lucerne en Suisse, parle des relations entre théologie et métaphysique comme d'un thème controversé, même dans la théologie catholique. Elle a présenté une contribution que je n'ai pas encore lue à la Société suisse de théologie à Bâle les 12 et 14 mai de cette semaine précédente. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a l'essai de métaphysique écuménique de Arjakovsky, dont j'attends les 800 pages dans ma boîte aux lettres et que je n'ai encore pas pu commencer à lire. Serrons un peu le regard. Soyons un peu protestants, avec humilité, mais avec fierté. En théologie protestante, la question a souvent été éludée. Sous l'influence du grand théologien Albrecht Ritschl, c'est un nom impossible à prononcer, Albrecht Ritschl, vous trouverez le nom orthographié sur la feuille qui vous sera distribuée tout à l'heure, 1822-1889, un des plus grands théologiens du XXe siècle, indéniablement, qui a été hostile fondamentalement à la métaphysique. Qui dit christianisme, qui dit protestantisme, qui dit évangile, est anti-métaphysique. La métaphysique comprise comme spéculation abstraite, comme métaphysique céleste, abstraite, théorique, non incarnée, non terrestre. J'ai une grand-mère italienne dans ma famille, je parle souvent avec les mains. J'ai touché mon micro. Donc, les théologiens protestants, dans la Suisse notamment de Ritschl, ont été rares à s'intéresser à la métaphysique. Je ne fais pas ici une histoire complète du problème, parce que c'est beaucoup plus complexe que ce que j'écris dans mon livre que je dis ici. Mes collègues me corrigeront. Mais il me semble qu'on peut dire ça de manière globale, que le protestantisme, pour faire court, est hostile à la notion de métaphysique. D'où ma surprise. Moi, théologien protestant, marié à une catholique, certes, mais très attaché à la tradition protestante, pourquoi je me mets à écrire sur la métaphysique ? Qu'est-ce qui est arrivé au professeur Müller ? Quelle parole et quel langage et quelle surprise lui est tombée dessus dans son écriture pour qu'il traite un thème qu'il n'avait jamais imaginé, osé aborder ? Or, on retourne souvent à ses premières amours. J'ai fait ma thèse de doctorat sur un auteur qui s'appelle Montagne de Panne. C'est la définition même d'une thèse de doctorat, pour ceux qui dirigent des thèses ou pour les doctorants qui essayent de finir leur thèse après 8 ou 10 ans de travaux pénibles, comme diraient les gilets jaunes. Pannenberg, a-t-on idée de s'appeler comme ça ? Wolfhard Pannenberg, que j'ai rencontré à Munich dans les années 75, 1928-2014. Il a donné en Italie, bien des années après ma thèse de doctorat qui datait de 81 et 83, en 1988, en Italie, des conférences sur métaphysique et idées de Dieu, traduit en français par le théologien catholique de Louvain, Olivier Riodel, celui qui a traduit la théologie systématique de Pannenberg, et publié en français donc en 2003 aux éditions du Cerf. De nouveau la métaphysique aux éditions du Cerf. Ça devient la marque de fabrique des éditions du Cerf. Il faudra une fois que je leur pose une question critique à ce sujet. Pannenberg a notamment cette phrase: il n'y a pas de métaphysique sans idée de l'unité de la réalité. Ça se rapproche un peu de ce que dit Ferry d'une autre manière. Il n'y a pas de métaphysique sans idée de l'unité de la réalité. Die Einheit der Wirklichkeit. En fait, pour Pannenberg, la métaphysique entre en dialogue nécessaire avec l'idée de Dieu, ou ce qu'il appelle parfois en allemand die Frage nach Gott, la question de Dieu. C'est ce Dieu qu'il a souvent désigné comme la réalité qui détermine toute chose, die alles bestimmende Wirklichkeit, un thème que le théologien luthérien et exégète du Nouveau Testament Rudolf Bultmann emploie également dans ses commentaires et dans son herméneutique.
Dans le sillage de Hegel, que j'ai déjà cité précédemment et qui est un des maîtres à penser de Pannenberg, Pannenberg pense alors l'absolu comme l'exact opposé de la finitude, c'est-à-dire comme l'infini par excellence. C'est une philosophie, une théologie de l'infini qui est le cœur métaphysique de la pensée de Pannenberg, si je peux le dire ainsi. Son livre est plus long et plus complexe que l'écho que je vous en donne ici, bien entendu. Pour Pannenberg, la métaphysique est possible comme pensée posée par l'être fini, dans la mesure, c'est un peu difficile, je vous le lis lentement, où se produit une élévation, Erhebung en allemand, du sujet ou de la conscience de soi vers l'infini. Dans un autre endroit de son œuvre, dans sa jeunesse, Pannenberg a parlé de la dialectique entre la Weltoffenheit et la Gottoffenheit. Je traduis, entre l'ouverture sur le monde et l'ouverture sur Dieu. Et il a essayé de montrer comment les deux étaient nécessaires pour penser une philosophie de la religion, pour ne pas dire une théologie, rationnelle. C'est l'œuvre de jeunesse de Pannenberg. Il me reste combien de temps, Carsten ? Un peu plus que 20 minutes. Ça va bien. Tu es à la moitié, là. Moi, je suis à la thèse 10. On m'a dit de respirer quand je parle et de prendre mon souffle et de ralentir pour que vous ayez le temps de me suivre. Puisqu'il paraît que je parle souvent trop vite. Mais ce soir, je trouve que ça va pas mal. Petite remarque pour les étudiants de la faculté de théologie ou pour les collègues, mais que parfaitement accessible pour tout un chacun de mon point de vue. Quand je fais le discours que je vous fais, quand j'écris le livre que j'ai écrit ici, je ne fais pas de la théologie dogmatique, et je ne fais pas de l'éthique théologique, qui sont mes disciplines de formation fondamentale. Je fais ce que les catholiques, d'abord, puis timidement, certains protestants, ont osé appeler la théologie fondamentale. Tu as fait allusion, Carsten, à cette notion tout à l'heure. Les protestants se sont mis à la théologie fondamentale et le maître à penser de cette théologie fondamentale est le théologien allemand professeur à Zurich, Gerhard Ebeling, qui en 1975 a écrit un livre magistral pour tous les étudiants et les laïcs intéressés par la théologie qui s'appelle « Studium der Theologie », les études de théologie, et où il présente la théologie systématique, comme on dit dans le jargon des facultés de théologie, comme ayant trois piliers, la théologie fondamentale, la dogmatique et l'éthique. Ebeling met la théologie fondamentale en dernier, comme synthèse de la dogmatique et de l'éthique. Moi, je la mets en premier. On fait d'abord de la théologie fondamentale, comme ce qu'on pourrait appeler, pardonnez un autre gros mot, les prolégomènes ou la préface à la dogmatique et à l'éthique. Dans ma thèse de 81 à 83, j'ai critiqué Pannenberg pour les mêmes raisons que ce que je suis en train de défendre aujourd'hui. Donc je me suis beaucoup rapproché de Pannenberg après 30 ans d'études sur ce point. Mais qu'est-ce que ça veut dire, me direz-vous ? Vous aurez bien raison, c'est un terme barbare, c'est un jargon de la tribu. Quand nous faisons de la théologie fondamentale, comme j'essaie de le faire ce soir, mes risques et périls devant vous, nous nous interrogeons avec les philosophes, d'où le fait que j'ai cité Hegel et Ferry et Paul Ricoeur, et j'aurais pu en citer, et Gadamer, que j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Quand nous nous interrogeons avec les philosophes notamment sur le sens des mots comme Dieu, l'absolu, l'infini, l'englobant, la transcendance, etc. Nous ne parlons pas encore ici du Dieu de Jésus-Christ ou de l'éthique chrétienne, pas encore, mais nous essayons de poser les bases de ce qu'on appelle une anthropologie, une doctrine de l'homme, de l'être humain universel et d'une herméneutique, c'est-à-dire d'une théorie de l'interprétation générale. Bref, quand nous essayons de poser les bases d'une métaphysique terrestre. C'est un raccourci saisissant que je fais devant vous, mais c'est ça que j'essaie de penser. Une métaphysique terrestre susceptible de nous aider à savoir ce que nous disons. C'est ça qu'on fait en herméneutique, que ce que nous disons quand nous parlons de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de la foi, du péché, du royaume de Dieu, et tutti quanti. Mais je dis, et je vous dis ce soir, pour que vous me compreniez le mieux possible et que la discussion que nous allons avoir soit la plus féconde possible, chaque chose en son temps.
Je ne fais pas la même chose quand j'écris mon petit dictionnaire de théologie de 2021 chez Labor et Fides, vous voyez, je fais encore de la publicité, et quand je me risque à parler, je me cite, des résonances métaphysiques de l'éthique. C'est mon quatrième chapitre dans l'ouvrage ici. Il y a pour moi, j'aime bien le mot de circulation vertueuse, il y a pour moi une circulation vertueuse entre les deux, mais pas de confusion entre la théologie fondamentale et la dogmatique, par exemple, ou l'éthique chrétienne. Avec Martin Luther et avec son disciple Gerhard Hebeling, nous pratiquons ici l'art de la distinction, die Kunst der Unterscheidung, plutôt que le caractère binaire d'opposition stérile. J'en reviens à la tristesse, parce que je vous ai peut-être ennuyé avec la métaphysique. Je suis à la thèse 12, il y en a 16. Dans la tristesse, dans l'ouvrage Tristesse, je dis ma tristesse comme je dis mon écrevisse, c'est plus simple, c'est plus court. Mais ce n'est pas ma tristesse, c'est la tristesse et métaphysique. Je ne suis pas un être triste toute l'année. J'ai des moments de tristesse comme vous et moi. Je me suis attelé à une tâche finalement assez basique, assez fondamentale, assez élémentaire, assez humaine. Que signifie pour l'être humain en général que nous sommes, et pour le croyant en particulier quand nous le sommes, le phénomène anthropologique et éthique de la tristesse? Et pour cela, il faut entendre un peu ce que j'écris, et une aimable lectrice va vous le dire. L'être humain voyage à travers sa tristesse crypto-métaphysique comme un pèlerin chemine vers Compostelle. Partout, des saints Jacques de substitution balisent ses égarements. Seul le saint mythique accueille sa quête lancinante dans le silence bruissant d'une cathédrale. Il nous faudra, nous aussi, aller sur ce chemin rocailleux, empruntant le camino de la grâce et de la rencontre, équipés le plus souvent de notre seul bâton et parés de notre unique coquille de ralliement. Dans les prochaines pages de cette cinquième partie, nous allons procéder de manière moins explicitement philosophique que dans les quatre parties précédentes. Notre attention se portera davantage sur les aspects pratiques et émotionnels de l'existence. Mais il ne faudrait pas que le changement de style, voire de longueur d'un paragraphe à l'autre, égare ou trouble le lecteur. La densité systématique de ce qui précède n'est nullement sans rapport avec la densité psychique de ce qui suit. Tout au contraire, nous aimerions relier ici la théorie et la pratique, la métaphysique et l'éthique, de sorte qu'apparaissent les corrélations et les connivences entre les unes et les autres. Pour le dire plus concrètement, il convient de montrer la relation entre les questions éthiques et la problématique métaphysique. Tout ce qui se dit, même de manière brève, sur la vie éthique du sujet, ses tristesses personnelles, a un lien avec le questionnement philosophique et métaphysique ou théologique. Et réciproquement, les énoncés abstraits de la pensée conditionnent et influencent l'inquiétude morale de l'individu. Nous ne sommes pas des êtres scindés entre un cerveau et un cœur, entre la pure théorie et la pratique désincarnée et solitaire. Nous sommes des êtres de chair et de sang, avec un cerveau charnel qui pense et qui souffre. Nous formons une unité anthropologique à nous tout seuls, toutes et tous dotés d'intelligence et de sensibilité. Nous ne fabriquons pas une métaphysique cérébrale ou des humeurs viscérales, mais notre cerveau pense avec nos tripes et la métaphysique sécrétée par les terrestres est tout entière corporelle et sensorielle. Sinon, nos théories ne seraient que des exercices de style décharnés et nos activités pratiques, des actions sans but, de pure velléité végétative, sans intelligence et sans intentionnalité. Merci Florence. Cette question, comment on intègre le phénomène anthropologique et éthique de la tristesse, a été repris brillamment par Cynthia Fleury, la philosophe parisienne, qu'elle avait traité, comme je le disais tout à l'heure, avec brio, sans que je le sache au moment de ma rédaction.
Quel lien y a-t-il, dit-elle, entre la tristesse humaine et la tristesse divine? Elle écrit 80 pages là-dessus, je ne vais pas vous le résumer maintenant, mais je vous invite à la lire, c'est absolument magnifique. Et on pourrait, par exemple, dans un mémoire de master ou dans une thèse de doctorat, la mettre en rapport avec le Dieu crucifié de Moltmann. Thèse numéro 13, ou paragraphe numéro 13. Le lecteur intimidé par la philosophie et par la théologie fondamentale, il y en a peut-être parmi vous qui sont dans cette situation, commencera avec raison par lire mon chapitre 5. Il faut toujours lire les livres dans le désordre. Il ne faut jamais lire les livres de la première à la dernière page. Il faut toujours commencer par l'index et par la table des matières, puis après revenir à l'introduction. Et il y a un excellent critère pour savoir si un livre est bon, c'est de regarder l'index. Si vous êtes dans l'index, c'est que le livre est bon. Si vous n'y êtes pas, c'est qu'il est nul. Ça, c'est une petite parenthèse que je me permettais avec les étudiants régulièrement. Un peu d'humour dans la tristesse, ça ne fait pas de mal. Mais ce chapitre 5 sur les aspects pratiques de la tristesse, il est très sérieux et très douloureux pour moi. Il est très personnel. Je donne beaucoup d'exemples, je ne vais pas vous les dire tous ici, je vous renvoie à la table des matières. Une des tristesses les plus douloureuses, selon mon analyse, mais c'est une banalité en un certain sens, advient avec la mort des enfants, comme on le voit tragiquement en Ukraine. Et je ne sais pas qui est la deuxième lectrice, comment elle s'appelle? C'est Josepha. Josepha va nous faire une deuxième lecture aux pages 141 et 142. La mort de l'enfant est à la fois la terreur affreuse qui plane sur tout parent et le choc le plus radical qui arrache le plus petit au sien. On prend la mesure de ce chagrin infini dans la scène de la mort de l'enfant, un des temps forts du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Plus l'enfant est devenu une petite personne proche et reconnaissable, plus la tristesse réagit comme une morsure irréversible. La mort de l'enfant est une tristesse métaphysique et pas simplement un arrachement sentimental. Le couple envisage l'enfant mort comme un cadeau à jamais perdu, comme une grâce éternellement égarée ou comme une joie définitivement abîmée. Cette tristesse, ce choc épouvantable, présente pour ainsi dire ce versant positif, conduisant tous les jeunes parents à bander leurs énergies de la manière la plus quotidienne pour conjurer le mauvais sort et pour veiller à la survie de leurs enfants. La vie ordinaire de millions de personnes dans le monde rejoint ainsi de manière paradoxale la rareté le plus souvent exceptionnelle de cette mort d'enfant. Cela nous rend d'autant plus intolérable le sort réservé tous les jours aux enfants sur la planète, du fait des guerres et des famines avant tout. Le malheur consistant à perdre un enfant plus âgé, alors que l'on est devenu soi-même un adulte ou un vieillard, nous fait aussi nous souvenir à quel point il est dans la nature de l'homme de mourir soi-même avant ses enfants. J'expie en te survivant l'horreur des années que je te vole, et je les ajoute aux tiennes, affolées par le remords, comme si, mortel encore parmi nous, tu continuais à grandir, mais seul grandi, stérile, ma vieillesse détestée. Dans sa lecture de Lacan, mon ami trop tôt disparu, le psychanalyste et théologien Jean-Daniel Kos a opposé le point de vue de Freud et celui de Lacan à propos du rêve de l'enfant mort. « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» dit un enfant mourant à son père. Freud y voit le désir du père que son enfant soit toujours vivant. Lacan, au contraire, interprète le même rêve comme l'expression de la faille du père ou de sa castration. Kos souligne que, pour Lacan, le lien entre la mort de l'enfant et la mort de Dieu passe par le thème paulinien de la kénose, que Lacan exprime avec sa thèse de l'inconscience de Dieu. Merci beaucoup, Josepha. C'est toujours intéressant de s'entendre dans la voix de quelqu'un d'autre. Je donne dans mon livre bien d'autres exemples. L'interruption de grossesse,
la dépression, le meurtre, j'aurais pu dire la guerre, le suicide, le viol, les abus sexuels, l'inceste, etc., comme lieu existentiel de la tristesse. Car le questionnement sur les liens entre métaphysique et éthique n'est pas un jeu de l'esprit. C'est un défi spirituel concret, propre à nourrir l'immense traité de vie qui jaillit de l'Évangile. Or, il ne suffit pas de dire que la joie est l'antidote de la tristesse. Il faut encore que la métaphysique de la joie et de la beauté dépasse vraiment la métaphysique de la tristesse. Pour cela, nous avons besoin d'un renouvellement profond de la prédication chrétienne, trop souvent inattentive à la gravité du tragique et de l'humiliation. J'arrive à la fin de mon exposé, à ma conclusion, les points 15 et 16. Mon livre se termine par une poétique, la citation de nombreux poètes, ainsi qu'une discussion des œuvres respectives de Vincent Van Gogh, d'Arthur Rimbaud et de James Joyce, l'auteur du chef-d'œuvre Ulysse. Car je pense que la poésie, toute poésie authentique, exprime mieux que la théologie et que la philosophie, et aussi bien que la musique et les beaux-arts, la beauté et la nécessité de la métaphysique. Prêtez l'oreille, chers amis, à la complainte en 1937 du poète italien Giuseppe Ungaretti, après la mort de son petit-fils de 9 ans. Excusez-moi. Ça ira. Je pleure parfois, mais ça ne dure pas plus de 2 minutes. Écoutons Ungaretti. J'ai tout perdu de l'enfance. Jamais plus je ne pourrai perdre mémoire à crier. L'enfance, je l'ai enfouie au fond des nuits. À présent, l'âme infinie, invisible, pardon, elle me coupe de tout. Je me souviens comment j'exultais de t'aimer. À présent, je suis perdu dans l'illimité des nuits. Désespoir incessant, croissant, la vie ne m'est plus rien. En travers de la gorge, qu'un roc de cris. C'est le poème « J'ai tout perdu de l'enfance » cité dans mon ouvrage à la page 172. Je vous remercie de votre attention. Combien de minutes ? Ah, tu es même resté 5 minutes en dessous du temps, donc c'est parfait. On a un peu plus de temps pour la discussion. Donc, grand merci, cher Denis, pour cet exposé à la fois très riche et aussi très touchant, notamment dans la deuxième moitié sur la tristesse. Moi, j'ai déjà 2 questions en tête, mais en tant que celui qui anime la soirée, on n'a jamais le droit d'y aller tout de suite. Il faut d'abord demander le public. Donc, si vous avez des questions déjà préparées, je suis très preneur, et sinon, préparez-les dans votre esprit. On a maintenant quand même 20 minutes à peu près pour le débat. Je sais pas, je vois pas où est Patricia. Patricia est là. Tu peux distribuer les feuilles si tu veux, mais vous n'êtes pas obligé de lire les feuilles. Posez plutôt vos questions. Vous trouvez aussi maintenant sur des feuilles qui circuleront les thèses, un peu un résumé de ce qui vient d'être dit. Peut-être ça aide aussi pour poser des questions. Y a-t-il déjà des questions, des remarques à formuler. Vas-y. Voilà, monsieur Ayer. Ah oui, il y a un micro baladeur normalement. Voilà, c'est bien. Tu nous as dit que. Ça marche. Je crois que ça marche. Merci Denis pour effectivement cet exposé à la fois ouvert et très personnel. Je voulais te demander, dans le couple tristesse-joie, qu'est-ce qu'il y a de pareil ? J'entends pas bien ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il y a de pareil dans le couple tristesse-joie ? Qu'est-ce qu'il y a de pareil ? Oui. Je ne me suis pas posé la question dans mon livre dans ces termes-là, mais ta question est précieuse et difficile.
La première réponse qui m'est venue en tentant d'en poser la question, c'était... Pardon, oui. J'ai plus mes feuilles, donc je peux rapprocher le micro. La première réponse qui m'est venue, c'était qu'il y avait une relation asymétrique entre la tristesse et la joie. La tristesse, je vais peut-être parler d'une expérience, mais d'une connaissance psychiatrique qui est très répandue dans la littérature aujourd'hui. Les personnes qu'on appelle souffrant de troubles bipolaires sont censées obtenir, comme toi et moi, une humeur moyenne normale. Quand nous sommes en bonne forme, nous sommes là. Comme dit le négro spirituel, « Sometimes I'm down, sometimes I'm up ». Parfois je suis en bas, parfois je suis en haut. Tous les chrétiens connaissent, et tous les grands spirituels connaissent ce changement de niveau entre la dépression et la manie, le côté maniaque ou hypomaniaque, comme disent les psychiatres. Je considère pour ma part que le langage ancien qui parlait de maniaco-dépressif était beaucoup plus clair que la bipolarité. C'est le DSM américain qui nous a imposé une terminologie snob, mais c'est beaucoup du pipeau, de mon point de vue. Mais on peut aller très bas, et je pense à la croix et à la résurrection, je pense que christologiquement et théologiquement, quand je te réponds, mais aussi existentiellement. La chute, la déchéance peut aller très bas, jusqu'au séjour des morts, jusqu'au Sheol, comme dit la tradition chrétienne. L'exaltation, la manie, l'ascension, la reconstruction, la résurrection peut devenir complètement maniaque et monter à un étage inaccessible. La joie n'est pas de l'ordre de la manie ou de la maniaquerie, elle est de l'ordre de l'équilibre. Elle doit trouver une humeur stable. C'est ça la vraie joie profonde, c'est celle qui humanise plutôt qu'elle nous fait monter dans des sommets inaccessibles ou non répétables. Ça, ce serait ma réponse improvisée à ta question. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Sinon, j'en profite pour poser ma première sur ce jeu que j'ai. Je disais déjà dans mon introduction qu'on peut aussi réfléchir sur un lien entre métaphysique et souffrance ou tristesse. Oui. On pourrait se poser, comme Karl Rahner, la question de savoir si la métaphysique et la capacité de l'être humain de penser la transcendance rend triste. Parce que je trouve que la pensée de la transcendance peut rendre triste par le seul fait qu'elle nous rappelle notre finitude, par exemple. Elle nous fait penser à la mort, on aimerait être infini. Et donc, j'aimerais t'entendre sur un lien éventuel entre métaphysique et tristesse. Il me semble que dans les échanges de mails nombreux que j'ai eus avec Patricia et avec toi, tu étais un de ceux qui avait proposé le titre « La métaphysique rend-elle triste ?» Je soupçonne que c'était toi, mais peut-être que je me trompe. Quand j'ai lu Jean Grondin après mon livre, qui est un livre vraiment admirable, mais je diverge avec lui sur l'interprétation de Nietzsche et sur quelques points précis, et sur son interprétation de la modernité, parce qu'il pense que la modernité n'est que tristesse et ennui, et je ne suis pas du tout de cet avis. Mais à part ça, on voit que la métaphysique, si elle est vraie, est belle et rend beau. Pas Rimbaud, Rimbaud. Rimbaud. Et donc, d'expérience personnelle dans l'écriture de ce livre, mon expérience n'est pas mystique, elle est personnelle dans l'écriture. On fait des expériences en écrivant. C'est fondamental. Et donc, je pense que la métaphysique rend plutôt joyeux. Que la perception de la transcendance fait que même si nous ne croyons pas en Dieu, je parle ici pour l'athée et l'agnostique qui sommeille en nous, pour être un vrai chrétien, il faut avoir de l'athée et de l'agnostique qui sommeille en soi, pour poser vraiment la diphrague et l'argot,
Sérieusement, est-ce que Dieu existe et qu'est-ce qu'il est s'il existe et qu'est-ce qu'il fait et pourquoi est-ce qu'il ne fait rien en Ukraine? Et donc la métaphysique peut, par sa beauté, par sa légèreté, par son caractère terrestre, au sens de Bruno Latour encore une fois, nous aider à sortir du trou ou de la tranchée, de remonter un peu la pente et d'entrer dans ce que les psychologues appellent la phase de reconstruction de la personne. Merci. J'ai vu depuis une minute qu'une autre question se prépare chez M. Collange. Merci. Je reste un peu étourdi par la jonction, d'abord, la jonction de ces deux termes, métaphysique et tristesse. Bon, je réfléchirai, je lirai le livre, et puis, mais à propos de la tristesse, je suis un peu étonné. Quelle différence fais-tu entre la tristesse et la souffrance ? Car tu parles d'expérience, ok, de toute façon l'expérience des uns et des autres, c'est l'expérience des uns et des autres, mais en ce qui me concerne, j'aurais plutôt eu tendance à parler de la ou à vivre de la à parler ou à vivre de la souffrance, et je me suis rendu compte en t'entendant ou je me pose la question qu'en fait je suis assez peu triste dans la vie. Il m'arrive de souffrir différents niveaux, physiquement, psychiquement, etc. Être triste, ou pour le dire de façon peut-être, mais j'aimerais que tu me répondes durement. Hein ? Durement ? Durement, oui, durement, parce que ma question est peut-être dure. J'ai un peu l'impression que la tristesse, c'est pas très méchant. La souffrance, oui. Et lorsque tu évoquais le viol, la mort d'un enfant, enfin toutes ces souffrances vraiment déchirantes, pour moi, c'est pas vraiment de la tristesse. Il faudrait, c'est autre chose. C'est une souffrance. Et ça pose des questions métaphysiques, théologiques, métaphysiques, existentielles, tout ce qu'on veut. La tristesse, faudrait que tu m'expliques ce que c'est. Merci. C'est certainement un des angles morts ou des points faibles de mon livre que tu signales ici, parce que je n'ai pas pris le temps et jugé utile de définir longuement les différences phénoménologiques qui existent entre ces différents phénomènes que j'ai énumérés rapidement dans mon exposé et dont tu soulignes l'incertitude, que peut-être la souffrance est plus métaphysique que la tristesse. Moi, quand je pense à la tristesse de manière probablement inconsciente, je pense à ce que les gynécologues appellent la tristitia postpartum. C'est pas une banalité. C'est l'homme en toi qui lève des épaules, mais la femme ne. C'est ce que c'est beaucoup mieux que nous, la tristesse. Et donc, au lieu de toujours psychologiser les problèmes, on connaît tous la différence entre la souffrance et la douleur. Moi, je réserve la douleur au physique et la souffrance au moral et au psychique. Mais c'est discuté par les psychopathologues et par les psychologues et par Freud et par Jung et par Cyrulnik et bien d'autres. Et je trouve que la souffrance est relativement dominable. Relativement. La souffrance. Elle n'est pas encore le traité du désespoir, pour parler comme Kierkegaard. Tandis que la tristesse, elle nous échappe complètement. C'est pourquoi j'ai parlé de tristesse métaphysique. Donc j'aurais tendance à pousser le bouchon par rapport à ta provocation et à ta question pour dire que la tristesse est infiniment plus métaphysique que la souffrance. Mais je défends un peu mon bébé, je défends un peu ma ligne de force. Je ne suis pas certain de t'avoir répondu complètement avec ça. En tout cas, le débat est fort intéressant parce que c'est presque la thèse opposée. Et je pense que tu es un peu plus dans cette ligne de ce que Luther appelle la Anfechtung, donc tristesse, pas comme seulement comme être triste, je suis un peu triste, mais comme une tentation profonde. Tu as parlé de désespoir, akedia, donc d'être
d'être profondément basculé par un désespoir. Je pense que c'est peut-être plutôt cela que tu appelles la tristesse. J'ai beaucoup traité les auteurs qui parlent de l'existence. J'ai mis la photo du célèbre arbre de l'existentialisme d'Emmanuel Mounier pour expliquer aux lecteurs que Pascal et que Kierkegaard faisaient partie de l'arbre de l'existentialisme et que Jean-Paul Sartre ou Gabriel Marcel ou Paul Ricoeur ou d'autres apparaissaient dans cet arbre de l'existentialisme sur des branches différentes. Mais je n'ai pas beaucoup travaillé, contrairement à notre collègue Pierre Buller ou à d'autres, je n'ai pas beaucoup travaillé en profondeur la manière beaucoup plus subtile dont Søren Kierkegaard, le grand penseur danois, parle de la maladie à la mort et du traité du désespoir. Mais j'ai l'intuition, insuffisamment développée dans mon livre, j'ai l'intuition que la tristesse participe en effet du désespoir, mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas comment Kierkegaard parle de la tristesse. Je n'ai pas fait la recherche. La recherche est toujours imparfaite et incomplète. On ne peut pas chercher tout en même temps. C'est une règle fondamentale des études doctorales et de l'enseignement universitaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? Oui, là, au fond de la salle. Ah, pardon, j'ai pas vu. Juste un mot, je rends le micro, mais Ebernanos. Ebernanos ? Oui. Mais il n'est pas dans mon livre, il y a Van Gogh, il y a Rimbaud, il n'y a pas Bernanos. Parce qu'il y a le lien chez Bernanos entre justement de ce qui est vécu, le sentiment de ce qui est vécu et la transcendance. Mais j'aurais aussi pu reprendre François Mauriac. Donc chez François Mauriac, il y a aussi une manière, du côté catholique, il y a aussi une manière très, très particulière de traiter délicatement les ombres de la conscience et les ombres du sentiment et les ombres de l'amour. Et l'envers de l'amour. Bonsoir, cher professeur. Justement, vous avez parlé au début de votre propos que beaucoup ont écrit concernant la métaphysique et pas beaucoup aussi sur la tristesse. Alors, ma question, c'est à deux volets. Quelle est la différence que vous voulez souligner à travers votre ouvrage ? Ma première question. Ensuite, concernant la tristesse, est-ce que vous avez en parlé aussi de la kénose ? Vous avez parlé que la métaphysique se comble avec cette existence-là du Dieu qui comble un peu cette métaphysique. Et aussi la place des mystiques qui ont passé par cette tristesse-là justement pour rencontrer, on va dire, l'être métaphysique ou encore Dieu. Je n'ai pas bien compris votre première question. Auditivement, je n'ai pas bien entendu. Quelle est la nouveauté par rapport à votre ouvrage concernant la tristesse de la métaphysique, puisque vous avez déjà dit que beaucoup ont écrit. Beaucoup ont écrit, ou bien c'était pour le lobbying, ou c'était une nouveauté, ou quelle est votre nouveauté ? Parce que personne n'a encore lu, moi personnellement, pas encore l'ouvrage. Et justement, quelle est la place de la kénose ? Est-ce que la souffrance peut aboutir justement à la résurrection, entre guillemets, aussi ? Je pense que l'auteur que je suis, ou que sont mes collègues ici présents, ou que tout écrivain, ou tout écrivain, parce que moi je suis plutôt un écrivain qu'un écrivain, fait que les questions fondamentales, appelons-les aujourd'hui métaphysiques, on pourrait les appeler autrement, nous pètent à la gueule, si vous me passez l'expression vulgaire, nous sautent au visage de manière inattendue. C'est le « ça pense en moi » de Martin Heidegger. En philosophie, ça pense en moi, la parole pense dans mon langage, c'est pas moi qui pense tout seul par moi-même, c'est pas forcément la mystique, mais chez Heidegger ça s'en approche. Donc moi j'ai pas essayé, j'ai pas l'outrecuidance et la prétention d'avoir voulu faire de neuf. Ce livre m'est tombé dessus dans l'écriture, pour faire une métaphore, mais c'est une métaphore parce que c'est moi qui l'ai écrit et qui a accumulé des tonnes de livres sous mon bureau pour arriver à le faire, mais on n'est pas maître de la nouveauté. La nouveauté, elle vient à notre rencontre. Je dirais la même chose de Dieu, naturellement, ou du royaume. Elle vient à notre rencontre, elle nous surprend et elle nous déplace.
C'est pour ça que j'aime la poésie, parce que quand vous lisez Rainer Maria Rilke ou Gustave Roux ou Philippe Jacotet ou l'Odyssée de Homère, tout texte que je cite dans mon ouvrage, vous découvrez un sens que vous n'aviez jamais imaginé. C'est analogue à ce qui se passe dans la lecture de l'écriture pour les chrétiens, qui sont aussi des textes souvent poétiques, bien entendu. Pas seulement les psaumes, pas seulement l'Ecclésiaste, pas seulement le récit de la création, mais l'ensemble de la Bible, d'une certaine manière, est un texte poétique, comme l'a montré Northrop Frey dans son livre Le Grand Code, qui est un livre magistral que les exégètes ignorent. Donc, nouveauté, c'est pas à moi de le dire. Si vous, comme lecteur, vous trouvez de la nouveauté dans ce que j'écris, j'en serais heureux. Mais j'ai pas un projet de nouveauté pour avoir du succès sur Facebook. La deuxième question, sur la kénose. Je suis influencé ici par Olivier Abel et par Paul Ricoeur et par Jean-Marc Ferris, c'est-à-dire des philosophes éminents, tous les trois, qui sont des chrétiens, ou en tout cas des catholiques instruits comme Jean-Marc Ferry, et comme son frère Luc, la même chose, quand on lit bien son œuvre, et qui utilisent la tradition chrétienne. Par exemple, Olivier, il cite des textes bibliques, souvent sans donner la référence. Ce qui gêne les théologiens ou les exégètes que nous sommes, on voudrait le passage exact. Mais on sent qu'il est imbibé, comme toute notre culture, ou en tout cas toute la part de culture, que le laïcisme voudrait effacer. Il ne parle pas de laïcard comme moi, il parle de laïciste, des laïcistes. Et donc le laïcisme français, belge, québécois, suisse, parce que la laïcité n'est pas un monopole français, le laïcisme tend à occulter la culture chrétienne et juive qui est immanente précisément dans la culture. Et donc, de parler de la kénose, de Philippiens 2, c'est un signe que vous devriez, que le lecteur devrait aller voir de ce côté-là. Abel cite aussi l'Ecclésiaste, par exemple, et d'autres textes. Il faut vérifier dans son livre exactement comment il travaille de ce point de vue-là. Ce n'est pas le travail du théologien, ce n'est pas le travail de l'exégète, c'est le travail du philosophe qui honore la dimension religieuse de l'existence. Il y a longtemps que pour les théologiens, la religion n'est pas un concept négatif. Merci. Maintenant, il y a deux questions, le pasteur Pop, et puis deuxième question. Oui, tu redis. Ah, tu es là. Non, vas-y, maintenant, le micro est là. Je serai rapide. Donc, concernant cette très, très intéressante question entre tristesse et donc, comme tu disais, souffrance, ça me faisait penser par rapport aux lectures que tu nous avais choisies dans le livre que je n'ai pas encore lu, à la notion de peur, en fait, qui, par exemple, dans la définition que donne Heidegger de la peur qui n'est pas peur de quelque chose, mais une peur qui nous rencontre, qui pourrait se traduire plutôt par tristesse, finalement. Ouais. Je ne sais pas si ça apparaît dans le livre, que cette tristesse ressemble à cette peur de Heidegger. Ça m'a échappé, je n'y ai pas pensé. Moi, j'ai plutôt travaillé avec Kierkegaard, pas dans le livre, mais dans ma propre culture, et avec Paul Tillich, qui, à la suite de Kierkegaard, distinguait la peur et l'angoisse. C'est une réponse classique, c'est connu de tous les étudiants de première année, en théologie ou en psychologie. La distinction entre la peur et l'angoisse est fondamentale, puisque la peur a un objet désigné, déterminé, tandis que l'angoisse, le mot Angst en allemand qui renvoie à l'étouffement de la gorge, à l'angoisse, l'angoisse, elle est littéralement angoissante, c'est-à-dire, elle conduit à la dépression.
Et là, je rejoins les analyses de la bipolarité chez les psychiatres et psychologues contemporains. Elle est du côté de la dépression. Et ce n'est pas par hasard que j'ai mis la dépression dans les lieux existentiels, comme je dis, de la tristesse. Parce que la dépression rend triste, mais la dépression est triste. Elle rend triste et elle est triste. Et peut-être ça éclaire une partie de vos questions. Elle est tristesse. Il ne faut pas oublier de boire. Il y a une dernière question encore ici. Monsieur Arbogast, le micro viendra. Alors, ce sera un peu difficile parce que c'est des choses que je découvre, à savoir que dans des formes de laïcité et certaines réflexions de la laïcité, et il y a en réalité la prise en compte de toute la métaphysique et des briques métaphysiques et des évolutions et pour essayer de trouver des éléments anthropologiques qui permettent à des gens tout à fait différents, mais tout simplement parce qu'ils ont un corps, parce qu'ils fonctionnent biologiquement d'une certaine manière, et ensuite vient évidemment le bain dans lequel ils sont, et qui est métaphysique à un moment ou un autre, mais la laïcité essaye de permettre de vivre ensemble des gens qui ont en réalité des choses communes, même si dans des cultures différentes, ils expriment des choses qui peuvent se vivre. Par exemple, si vous parlez du football, c'est intéressant, puisqu'il y a du football. Et c'est là-dessus qu'on peut travailler, comment le football, par exemple, va amener des gens du Kenya, des gens du Canada et des gens maintenant d'Asie de se retrouver. Et ensuite, on peut voir ce que tout cela amène. Et moi, qui suis mon petit-fils, je trouve que le football, tel qu'il est pratiqué maintenant dans des ligues de football où on apprend le respect des formateurs, le respect des parents et tout un ensemble de choses, n'importe qui va pas sur le terrain, n'importe qui va, c'est une éducation extraordinaire. Oui. Non, mais je ne sais pas si votre question porte sur la laïcité ou sur le football, ou sur le rapport entre les deux. J'hésite un peu, mais j'ai une conception, comme beaucoup d'entre nous ici sans doute, même si certains sociologues français n'acceptent pas cette différence entre la laïcité ouverte et la laïcité fermée. Et si je vous ai bien compris, j'abonde dans le même sens que vous, c'est-à-dire que la laïcité est un espace de délibération et de discussion ouverte. Jean-Marc Ferry a développé ça dans son œuvre à la suite de Habermas, dans le sens de l'éthique de la discussion, c'est-à-dire l'éthique démocratique. Cette éthique que la politique française a tellement de peine à développer quand on parle du débat français et que nous connaissons si bien en Suisse. La France a encore beaucoup à prendre de la démocratie suisse pour avancer dans la démocratie. Je suis provocant, vous voyez. Non, j'en doute pas du tout. Merci. Merci. Nous sommes à la fin de notre rencontre. Le titre de cette rencontre était « Le christianisme est-il une religion de la tristesse ?» Ma toute dernière question, si je peux me permettre. J'ai compris cette question qui figure comme titre comme une question qui indique que éventuellement la foi chrétienne pourrait être particulièrement triste ou autrement dit, rendre triste. Par exemple, on dit souvent que la notion du péché, peut-être même du péché originel, la rédemption par le Christ, que tout ça se trouve plus chez nous que dans les autres monothéismes, par exemple, donc peut-être où on trouverait peut-être une vision plus optimiste de l'être humain. Donc la toute dernière question, est-ce que le christianisme est particulièrement une religion de la tristesse? Alors il y a deux auteurs qui répondent oui à ta question, deux auteurs que j'aime beaucoup, et que j'ai rencontré, l'autre que j'ai jamais vu pour cause, mais qui habite mon inconscient.
Le premier, c'est Jean Delumeau, le grand historien français qui est venu nous parler à l'école doctorale de ses recherches hésitantes pour écrire des livres de 800 pages sur le péché en Occident. Et lui, comme catholique ouvert, il a très bien montré la nécessité de déconstruire le péché originel, un peu comme Paul Ricoeur, dans son étude sur le péché originel, avait déconstruit l'idée de péché originel depuis Augustin et Pélage jusqu'à nos jours. Puis le deuxième écrivain, tu sais bien, qui me vient devant les yeux, c'est quand je vais me promener à Sils Maria et que je rencontre le crochet du cher fils de pasteur qui était Friedrich Nietzsche, l'auteur de « Ainsi parlait Zarathoustra » et de « La généalogie de la morale ». Et Nietzsche nous rend le service aux théologiens, aux chrétiens, aux philosophes, quels que soient ses excès et les malheurs de sa réception hitlérienne, stupide d'ailleurs, Nietzsche a pensé la tristesse du christianisme comme platonisme pour le peuple, en quoi je pense qu'il a tout à fait raison. C'est un aspect du christianisme, ça n'épuise pas l'essence du christianisme. Mais il y a dans le christianisme et dans le protestantisme singulièrement une pulsion de malheur et une pulsion de populisme ou de frilosité que nous avons le devoir de critiquer théologiquement. Et puis il parle aussi, comme on en a parlé tout à l'heure toi et moi, dans la préparation de cette soirée, il parle aussi de ce qu'il appelle en allemand les Hinterwelten, les arrière-mondes. Et les arrière-mondes, c'est comme dans la critique du supranaturalisme de Paul Tillich, les arrière-mondes, c'est tout ce qui fait que la foi chrétienne pourrait malencontreusement être comprise comme un dégoût de la vie, comme un taedium vitae. Alors que Nietzsche nous dit, entre les lignes, de manière subliminale, si vous étiez vraiment chrétien, vous seriez des hommes forts, non pas au sens de littérisme naturellement, mais au sens de Nietzsche, vous seriez des hommes forts, vous seriez des surhommes, et vous seriez capable d'affronter l'éternel retour du même. Je ne fais pas un syncrétisme facile entre Nietzsche et le christianisme, mais je dis que Nietzsche est indispensable à la bonne compréhension du christianisme. Mais pour que ce ne soit pas la dernière parole, tu voulais indiquer deux autres aux auteurs qui vont dans l'autre direction, me semble-t-il, as-tu dit. Je me suis mal exprimé, à quoi je pensais? Ben, ce n'est pas grave, hein, sinon on termine sur Nietzsche. Moi j'aime c'est bien un terminer challenge sur Nietzsche. Pour nous tous. J'ai écrit mon livre « L'éthique protestante dans la crise de la modernité », généalogie, critique, reconstruction. Parfait. Et ma dette de théologien envers Nietzsche, j'ai toujours commencé mes cours à la fac de Lausanne et à la fac de Genève, mes cours sur les valeurs, mon cours de base sur les valeurs. Pour votre information, je ne crois pas à l'existence de valeurs chrétiennes. C'est Poutine qui y croit. Poutine se réfère tous les jours aux valeurs chrétiennes, mon œil. Je ne crois pas à l'existence de valeurs chrétiennes, mais je crois à un éclairage théologique des valeurs universelles. Nous avons tous les mêmes valeurs. La gauche et la droite ont exactement les mêmes valeurs, mais le socialisme et le libéralisme n'éclairent pas les valeurs de la même manière. Tout le monde aime la liberté, tout le monde aime la justice, à droite comme à gauche. Les chrétiens n'ont pas le monopole de l'axiologie, de la théorie des valeurs, et Nietzsche nous aide énormément à dégonfler l'idole. C'est Jungel qui a parlé comme ça un jour, Eberhard Jungel, le théologien de Tübingen, qui a parlé du côté tyrannique, Tyrannei der Werte, comme disait Carl Schmitt, un des inspirateurs de ce texte de Jungel. Et il y a une tyrannie des valeurs qui fait qu'on se gargarise de valeurs, et ça mène à la doctrine de Vladimir Poutine. Je vous recommande le livre de Michel Elchaninov, directeur de la revue Philo Magazine à Paris, qui s'appelle « Dans la tête de Poutine », où vous voyez comment Poutine étudie le traité de paix dans sa jeunesse, a étudié le traité de paix perpétuelle de Kant, adore Dostoïevski et adule Nicolas Berdiaïev, le grand philosophe de l'orthodoxie et de la slavophilie. Et ça nous rappelle terriblement Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt, où Adolf Eichmann nous dit que son inspiration c'est l'éthique du devoir de Kant et que sa déontologie était de permettre que les trains arrivent à l'heure à Auschwitz. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation inacceptable de la philosophie ou de la théologie. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment remercier l'orateur de ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous.
Je suis disponible vers la table des livres si vous avez de quoi acheter quelque chose. Exactement. Et merci aussi aux organisateurs, Patricia et Géroner, et aussi au pasteur Pop de nous avoir accueillis si admirablement dans cette belle église. Bonne soirée à tous. Et donc, monsieur Müller est prêt à signer, comment dire, à dédicacer des ouvrages. Si vous le souhaitez. Il faut que René Ayer s'approche de moi. Ça allait ?